Laura et Grisouille. Donc c'est deux jeunes chiens, des chiens qui commencent. Et ensuite, en deuxième partie, vous aurez Auria qui présentera la poutine qu'elle présente au championnat de France. Voilà. J'étais une fois dans le cœur secret de la France, un séduisant jeune prince qui vivait dans un merveilleux château. Et une étrangère se présenta au château, cherchant à s'abriter de la violente tempête. En échange, elle offrit au prince une simple rose. Révulsé par son aspect misérable, le prince chassa la vie. Pour le punir, elle le transforma en une bête monstrueuse et jeta un terrible sort sur le jeu. Et Auria, que vous avez vu en seconde, donc elle, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Alors, les récompenses en mangeant, c'est-à-dire que là, il y a des conditions très compliquées pour les chiennes, il y a beaucoup d'odeurs. Donc c'est pour ça que là, elles ont des récompenses. Après, Auria travaille normalement sans récompense. Enfin, c'est vraiment que du jeu pour eux, c'est ça qui est important. Et du coup, moi, je travaille au flicker, qui permet de fixer le moment qu'on veut. C'est un petit outil qui fait un petit son, qui permet vraiment de fixer le moment qu'on veut dans un mouvement. C'est-à-dire que le mouvement que vous avez vu du poirier, quand elle avait les deux pattes dessus, c'est un mouvement, elle le faisait en micro de seconde. Et vraiment, il a fallu capturer ce moment-là pour qu'elle le fasse plus longtemps. Alors, donc, en obérythmée, il y a deux catégories. Il y a le HTM. Donc, sur le HTM, il y a 10 positions où le chien doit pouvoir être OK. Et sinon, il y a le freestyle.
où là on est libre de nos figures du moment que ça ne met pas en danger le chien. Il y en a qui sont plus HTM, moi je suis complètement freestyle parce que je ne sais pas faire, me mettre dans des cases comme ça, mais et voilà, et puis Laura c'est pareil, c'est beaucoup freestyle. Ben, merci d'être venue. Et ben, je veux remercier Laura qui a fait sa première démo quand même aujourd'hui. Donc c'est la première fois qu'elle est faite en public. Et j'en ai sorti comme une chef, donc on espère la revoir l'année prochaine ici toute seule et puis sur d'autres démos.